Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi, Jérôme Commandeur. Avant de retrouver Jane Manson, je vais donner la parole maintenant à Jérôme Commandeur. Jérôme Commandeur, il s'est levé aux aurores, il est intervenu dans la matinale de Bruce Toussaint et dans la foulée, il a concocté une chronique que je vous recommande car je l'ai lue. Ce matin, c'est une des fans. Mais vous n'avez pas l'intention de se barrer. Jane, c'est une de tes fans qui va, des plus actives, hein, qui va s'adresser à toi. Elle souhaitait te rencontrer. Bonjour madame, quel est votre nom ? Mention. Comment ? Jeanne Mention. Quel effet ça vous fait d'être près de Jeanne ? Ah, je suis ému. Je suis ému quand je vous vois de près, je suis ému quand je vous vois de loin, je suis ému quand je vous vois de dos, je suis ému quand je vous vois tête bêche, ce qui est plus rare, c'est vrai. On peut le dire, le jean me colle à la peau, si vous me permettez ce calembour, c'est Alain Bougrain du calembour. Oh là là ! On se détend, elle on est, rigole, elle est c'est gratuit. C'est gratuit. Non, je peux en parler moi de jean, je fais du 60 en jean, ce qui n'est pas tous les jours évident pour s'habiller Michel. Du coup, 60. C'est rare. Hein. C'est rare. Oui, c'est très rare. Ah oui, c'est très rare. Ah là là. Du coup, quand je viens sur La Rochelle, j'achète de la toile de voilier. Deux coutures, une braguette, un ourlet, le tour est joué. Mais attendez, du 60, ça veut dire vous pesez combien, ah là Jeanne là. 140 alors, kilos. Alors, ça fluctue. Ça fluctue un petit peu plus. C'est-à-dire ça va de 280 à 400. C'est la fourchette, ça. Oui, tout dépend d'où est la boulangerie. Mettez 350. Alors, j'anticipe la question. C'est pas trop difficile d'être obèse. Déjà, quel nom à la con, obèse. Franchement, foot baisse, quand on fait plus de 200 kilos, c'est pas le premier truc auquel on pense. Hein. On baisse pas tous les jours. Je vous l'expliquerai une autre fois. Peu importe. Mmh. Enfin, par mois environ. Une fois par an. Quelle est votre profession, Jeanne ? Je suis, alors, ici à La Rochelle, je suis stabilisatrice de bateau. C'est-à-dire dès que ça tangue un peu, en pleine mer, un bras à gauche, un bras à droite, ah oui. Il n'y a plus rien qui bouge. D'ailleurs, pardon, messieurs, dames, j'aurais été sur le Costa Concordia, l'autre trou du cul, il n'allait pas faire tout le coup en train de rocher. C'est moi qui vous le dis. Mais vous avez d'autres jobs à côté ? Oui, sinon à côté, je suis bélier dans une compagnie de CRS. Mmh. Et quand vous avez les cheveux courts ? Et quand j'ai les cheveux courts, je remplace la boule à Fort Boyard. Fort Boyard, c'est pas loin d'ici. C'est pas loin d'ici. D'ailleurs, j'embrasse Passepartout et s'il m'écoute, je suis désolé de m'être endormi sur lui au pot de départ de Passe-Muraille. Comment avez-vous connu Jane, oui, ou c'est Madame vrai, Mention ? On bavasse et le temps passe. Alors, Jane, elle s'en souvient. Je lui ai marché sur le pied en 72 quand elle est arrivée à Paris. Aïe, je me souviens. Voilà. Et les os sont reformés en 87, 15 ans après. Ce qui fait que quand elle me voit, en général, elle me remet. Oui, oui, oui. Ça s'est fait dans des circonstances tout à fait singulières, puisque j'ai marché sur le pied de Jean Boulevard Haussmann à Paris un 12 octobre. Je me suis rendu compte un 17 novembre, c'est-à-dire 35 jours après. J'entendais parfois un petit truc couiner comme une chouette, un mulot, c'était Jean Manson. voilà, exactement. Des années après, hein. Et vous êtes devenu fan. Exactement, je suis devenu le sosie non officiel. Alors les gens, quand ils me voient arriver déguisé en vous avec 400 kilos, ils disent « Tiens, elle a changé !» Je pousse des notes de la chapelle de Harlem, la voix en rouille, ils disent « Ah non, c'est bien elle !» Donc l'autre jour, dans un mariage, j'ai dit au public « Faisons l'amour avant de nous dire adieu !» Ils ont pris peur, ils se sont barrés. Mais je monte aiguë, Michel, hein. Dans un mariage, une fois, en faisant la chapelle de Harlem, j'ai fait fondre une pièce montée. C'est rare, hein. Ce qui est rare, la table, la nappe, tout a fondu. Mmh. Allez, je vous laisse, car ce soir, j'accompagne Nolwenn sur son concert breton à Couette qui danse. Ah, c'est bien. Je remonte tout le Morbihan à la nage, ça ira plus vite. Il y a aussi des chouettes là-bas. Quoi, quoi, quoi. Si vous me cherchez... Attendez, Jean, je finis. Oui. Si... Finissez ma mention. Ah, mon pied. On boit pas que de l'eau, dis donc, hein, je t'en va. Ah, oui. Hein. Finissez, madame Mention. Si vous me cherchez sur scène, je fais le menhir. Bisous. Ah. Jérôme Commandeur, avec la complicité de Thomas Villedieu. Thomas Villedieu qui est le biographe officiel de Madame Mention. De Madame Mention. Toutes les mensurations, c'est lui qui les a. Il a été l'agent de Madame Mention. Exactement. On se retrouve dans un instant. Vous êtes en direct depuis La Rochelle, en public et en direct.